présenter Au bonheur des ordres de Daniel Pennac, qui est le premier tome d'une trilogie qu'il a écrite. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Benjamin Mielsen et qui est bouc émissaire dans un magasin, un grand magasin, une galerie marchande. Bouc émissaire, c'est son boulot, c'est de se faire engueuler à la place des autres. Donc, il va commencer par se faire engueuler parce qu'un meuble a mal marché, parce qu'un grille-pince a fait une feu à chez quelqu'un. Bon, ça c'est son métier. De l'autre côté, il y a une famille avec une sœur qui voit l'avenir, une sœur qui lit des photos, et un frère avec des lunettes roses, et pour terminer en beauté, un chien épileptique. Il a et dans la galerie marchande où il travaille, il y a des explosions. Et à chaque fois, il y a le suspect numéro 1. Et pour sortir de ce grand bazar, il va être obligé de tout faire pour être innocenté. Moi, j'ai bien aimé ce livre parce que c'est plutôt sympa. Il se passe plein de choses et on a pas envie d'arrêter de le lire. Et comme il y a une trilogie derrière, on est mieux. On sait qu'on va pouvoir continuer à lire ce drôle de bouquin qui est assez rigolo. L'auteur parle d'un quartier qui est Belleville, un quartier de Paris qui est plutôt rigolo comme il le raconte. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre.